Bienvenue à cette séance ordinaire du 1er juin 2020. Je vous fais la lecture de l'ordre du jour. En 1, constatation du Coran. En 2, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2022. 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2022. 5. Approbation des comptes à payer. 6. Recommandation de paiement. Premier décompte pour les travaux de la rue principale et du chemin de la réserve, le programme TEC, règlement numéro 363. 7. Rapport de Mme la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier de 2021. En 8. Approbation de la résolution numéro 2022-0308. En 9, renouvellement de l'entente avec l'Alpine pour l'année 2022. En 10, modification de la résolution numéro 2022-0109, visant la tarification de la base plénière du lac Néant 2022. 11, renouvellement de l'entente de travail entre le syndicat et la municipalité visant l'employé numéro 49, autorisation de signature. En 12, acceptation de la soumission 10-99 du groupe signalisation de l'Estrie incorporée pour l'achat de poteaux. 13, correction de la soumission de Roxoff, numéro 24-538 visant la formation sur le logiciel de réservation Anémone. 14. Entériner l'acceptation de l'inscription pour la formation de secouristes en milieu de travail de Mme Isabelle Simard, de M. Olivier Lavoie, Mme Océane Lebel et Mme Lise Lapointe. 15. Autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de la région de la capitale nationale, le FRCN, ou le Fonds Ruralité et Région, le FRR, volet 4. 16. Acceptation de l'offre de service professionnel de Maître André Simard Tremblay de l'étude CST notaire incorporé de l'AMALBE pour un mandat visant la rédaction d'un acte de servitude se rapportant à la propriété portant le numéro de matricule 19-82-72-78-15-0000, etc. 17. Base plénière du lac Nerne, entériner l'acceptation de la commande numéro 33531-039-8337 à Bell Canada pour l'installation de deux modems. 18. Entériner la publication d'un poste, vous allez corriger, vous allez modifier pour la correction suivante. Autorisation d'embauche de M. Sylvain Godreau à titre de journalier. 19. Acceptation de la soumission numéro 11-13 de Chapiteau du Monde pour la location d'un chapiteau pour le camp de jour au camp Le Manoir. 20. Demande d'autorisation pour l'installation d'apposer des panneaux de signalisation pour la tenue du triathlon de Charlevoix pour 2022. 21. Achat de publicité dans les journaux Le Manic, Le Nord Côtier, Haute Côte-Nord et Le Charlevoisien. Autorisation pour l'achat de publicité sur la base plénière du lac Nerne. En 22, dons et commandites. Premièrement, un don au comité de parents de l'école Beau-Soleil pour l'organisation d'une activité de financement. B. Commandite pour le tournoi du risque. C. Gala de l'excellence de l'école secondaire du Plateau. Demande de commandite. Correspondance. On va avoir à A. Information du compteur d'eau. À B. Information sur le tirage des billets pour le rodéo de Charlevoix. 25, suivi des dossiers par les membres du Conseil. Et en 26, période de questions, levée de l'Assemblée.
Qui propose le projet? Oui, M. Simard. La correction du point 18. Et la correction du point, c'est sûr. OK, c'est beau. Lecture et adoption du projet de loi, c'est fait. M. Rémy, merci. 3. Adoption des procès-verbaux que vous avez dans vos fiches respectives pour la séance ordinaire du 4 mai 2022. Proposé M. Marco, merci. Marco Lavoie. 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2022. Qui propose? Je propose. J'ai attendu Mme Gravel avant. Bon. En 5, c'est Mme Gravel? Non, je ne sais pas. On l'a fait ensemble. Qui? Peut-être qu'on l'a fait. En tout cas. Qui? Mme Gravel. Okay. En 5, approbation des comptes à payer pour un montant de 124 834,15. Je propose. Proposé par M. Dufour, merci. En 6, recommandation de paiement. Premier décompte pour les travaux de la rue principale et du chemin de la réserve dans le programme TEC. Règlement 363 pour un montant de 628 299,85 taxes incluses. C'est le premier paiement pour Jacques Dufour Construction. En fait, c'est une recommandation de paiement. C'est le premier décompte dans le contrat. Mm-hmm. Comme je l'expliquais, là, c'est sensiblement la même chose, à part l'ordre de changement qu'il y a eu pour les deux branchements de résidence là, qu'on a eu. Et on se tient dans les montants prévus à l'appel d'offres. De toute façon, ça, c'est recommandé par la firme d'ingénierie. Toujours. Oui. Toujours, j'ai le document. Mm-hmm. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Merci, M. Danick. Danick Harvey. En 7. Maintenant, je vais accepter le rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier de 2021. Chers citoyens et citoyennes de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, il me fait plaisir de vous présenter le présent rapport qui énonce les faits saillants pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2021. Les points traités sont les suivants. Premièrement, les actifs financiers. 2. Le passif. 3. Les avoirs des contribuables. 4. Le rapport financier. 5. L'évaluation. 6. Le mot de conclusion. Et je passe maintenant les actifs financiers. Les actifs du fonds d'administration constitué de l'avoir en banque des différents comptes et des subventions à recevoir se détaillent comme suit. En trésorerie et équipement de trésorerie, 1 194 352. Débiteur, 494 330. Pour un total de 1 688 682 $. Les immobilisations totalisent au 31 décembre 2021, la somme de 5 859 620. Et maintenant, je passe aux passifs. Les passifs totalisent 1 476 567 et se détaillent comme suit. Les emprunts temporaires pour 362 490. Les créditeurs et charges à payer, 206 808. Les revenus reportés, 93 073. Merci. La dette à long terme, 814 196. On va passer maintenant les avoirs des contribuables. En ce qui a trait à l'avoir des contribuables, les états financiers au 31 décembre 2021 présentent un surplus accumulé non affecté de 931 829
comparativement à l'année précédente où il se chiffrait à 768 213. La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs termine donc l'année 2021 avec un excédent de fonctionnement, un surplus de 193 544. Je passe maintenant à l'évaluation. La valeur foncière de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a été déterminée à 149 591 200. Pour la première année du dépôt du rôle d'évaluation en décembre 2019. Le rapport financier maintenant. Selon l'avis du comptable agréé de la firme comptable Benoît Côté Incorporé, les états financiers donnent une image fidèle à la situation financière de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de son flux trésorier pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Je passe maintenant aux revenus puis les réalisations. Les taxes, on a récolté 1 685 473. En compensation tenant lieu de taxes, 92 950. Services rendus, 142 790. L'imposition des droits, mutation, 86 237. Autres revenus d'intérêt, 19 380. Autres revenus, 4 864. Transfert, 42 790. Et maintenant, je passe au poste de dépenses. L'administration générale, 437 808. La sécurité publique, 234 589. Le transport, 618 073. L'hygiène du milieu, 617 341. Aménagement, urbanisme et développement, 66 073. Loisirs et culture, 236 733. Frais de financement, 39 590. Tourne la page, s'il vous plaît. Rémunération et allocation des membres du conseil municipal. En vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport financier détaille la rémunération et l'allocation des dépenses de chacun des membres du conseil municipal, de la municipalité, reçus soit de la municipalité d'un organisme mandataire ou d'un organisme supramunicipal. Voici la rémunération annuelle des membres du conseil en 2021. Le total pour les postes, le poste de la mairie, ainsi que le total pour le poste de conseiller par année sont les suivants. Rémunération de base pour la mairesse, 8 268 $. L'allocation des dépenses pour la mairesse, 4 140 pour un total de 12 408. Vous avez à côté les conseillers par conseiller. Pour la rémunération de base, 2756. Allocation des dépenses, 1378 pour un total de 4134 $. Et vous savez que je siège à la MRC pour la municipalité. Donc, la MRC de Charlevoix-Est. J'ai une rémunération de base de 8 791 $. L'allocation des dépenses,
pour 4 395 $, pour un sous-total de 13 186, qui fait un total de 25 594 pour les deux fonctions. Ensuite, les conseillers, bien, c'est 4 134 par conseiller. Conseillère. Le mot « conclusion ». On a composé mon mot de conclusion, là, c'est sûr. Les états financiers de l'année 2021 présentent un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 193 544, faisant grimper les surplus accumulés de la municipalité à plus de 900 000. Notons que plus de 29 000 des surplus accumulés ont été affectés pendant l'exercice financier de 2021. De cette somme, 5 000 a fait l'objet d'un don à la fabrique pour la toiture de l'église de Saint-Aimé-des-Lacs. 10 000 ont été utilisés à la réparation de la route du chemin des Colons. Et plus, et en plus, de 14 000 ont été affectés à des travaux de voirie non prévus sur la rue principale. L'exercice financier se terminant au 31 décembre 2021 enregistre des augmentations de revenus provenant principalement des services rendus de l'ordre de 8,33% comparativement à l'année précédente et découlant majoritairement des activités de location, de camping à la base plénière du lac Néant. La hausse soutenue constatée à la base plénière du lac Néant ces deux dernières années démontre l'attractivité qu'exerce le site, non seulement sur la population locale, mais également sur les visiteurs, et témoigne du positionnement de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs comme destination touristique. En effet, 37,30% de la clientèle de passage provient de la région de Montréal et 26,06% de la région de Québec. En ce qui a trait à la clientèle touristique, avec réservation cette fois, 46,15% proviennent encore une fois de la région de Montréal et 20% de la région de Québec, alors que les visiteurs séjournent en moyenne d'une à trois nuitées. La répartition de la clientèle saisonnière provient à 50% de la région de Charlevoix et près de 24% de cette clientèle est issue de la région de Québec. Cette tendance à la hausse qu'enregistre la base plénière du lac Nairn nous motive également à miser sur l'amélioration des installations. À cet égard, des interventions sont en cours en ce qui a trait aux services Internet et aux réseaux électriques desservant la clientèle. L'exercice financier de 2021 enregistre également une importante amélioration de revenus provenant de l'imposition des droits découlant presque exclusivement de droits de mutation immobilière. Ainsi, ces sources de revenus enregistrent une augmentation de 44,77% en 2021 comparativement à l'année précédente. Cette augmentation s'explique par la bonification réglementaire visant cet objet, adopté dans l'année 2021, mais surtout par la hausse considérable du marché de l'immobilier. Soyez assurés que cette réalité fera l'objet d'une attention particulière lors de la confection du prochain exercice budgétaire, étant donné le dépôt du prochain rôle d'évaluation qui s'appliquera pour les années 2023, 2024, et 2025, parce qu'on sera sur le nouveau rôle en 2023, puis c'est un triennal. Au titre des réalisations, l'année 2021 fut marquée par la réalisation de projets
de la halte routière qui s'inscrit dans le circuit de la route des montagnes, mettant en valeur trois municipalités, Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts et Saint-Urbain. La conception et la réalisation de panneaux d'affichage qui seront installés incessamment dans différents secteurs de la municipalité s'inscrivent également dans la mise en valeur de notre territoire. L'exercice financier de 2021 a permis aussi d'investir dans les services professionnels, menant à l'élaboration de différents documents d'appel d'offres nécessaires à la réalisation de projets que sont la construction du pavillon d'accueil de la base plénière, ainsi que les travaux de près de 900 000 réalisés dans le cadre du programme TEC, et qui ont cours actuellement sur la rue principale et le chemin de la réserve. Grâce au soutien de divers programmes d'aide à la voirie locale, des travaux ont été réalisés sur le rang Saint-Thomas, le chemin Trudel, le chemin du Pied-des-Monts, totalisant près de 34 000 $. La municipalité est consciente qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine sur l'ensemble du territoire et nous projetons d'élaborer à cet effet un plan directeur de voirie pour veiller à hiérarchiser les interventions et les documents, en les documentant et en évaluant les coûts pour une planification structurée. L'année 2021 a aussi marqué le pas au volet des ressources humaines, alors que la convention collective des employés a été signée et que divers outils ont été élaborés visant le programme de prévention de la municipalité. Au titre de la sécurité, un mandat a également été confié à une firme spécialisée pour l'élaboration d'un plan municipal en sécurité civile qui sera complété dans la présente année. Notons aussi l'importance accordée aux familles qui a trouvé écho en 2021 auprès des élus alors que la municipalité, pour une première, mettait de l'avant un partenariat avec le camp Le Manoir pour la tenue et l'animation de ces camps de jour dédiés à la clientèle de 4 à 12 ans. L'initiative a connu un franc succès auprès des familles. Ce partenariat est reconduit pour la présente saison estivale avec services de garde inclus et toujours à des tarifs d'inscription très abordables. La municipalité, en absorbant majoritairement le coût, c'est donc près de 40 000 $ qui sera défrayé par la municipalité pour ce service dédié aux jeunes familles cet été. Toujours concernant les familles, la municipalité continue à soutenir l'intérêt des jeunes envers diverses disciplines sportives et culturelles en contribuant au remboursement des coûts d'inscription des programmes de leur choix. On ne peut passer sous silence que l'année 2021 a été marquée par la tenue d'un scrutin général alors qu'un nouveau conseil a été élu. La cohésion et le travail soutenu de chacun d'entre nous sont le principal gage de réussite. Je tiens à remercier la contribution de tous et de toutes à notre mission afin de desservir notre population et soutenir le développement en conformité au champ de compétences dévolues aux municipalités. À cela s'ajoute la contribution incontestable des employés assidus aux tâches qui leur sont confiées et qui adhèrent avec dévouement aux valeurs de l'organisation. Nous tenons à les remercier parce que l'esprit d'équipe peut faire toute la différence dans la poursuite de nos objectifs et le mieux-être de nos citoyens. Déposé de la séance du 1er juin 2022.
Oui. Merci beaucoup. 2022. À cette séance-ci. Donc, on a un bon rapport, n'est-ce pas? Oui. C'est intéressant. Je continue avec l'ordre du jour. En 8, abroger la résolution numéro 2022-03-08 avec l'Alpen. On avait déjà eu une demande pour 3 ans, je crois. Maintenant, on la renouvelle pour 1 an. 9. Renouvellement de l'entente, ça le dit aussi au ça point 9. Ça prendra le proposeur. C'est vrai, vous avez raison, oui. Madame. Il m'a proposé, oui. Le rapport, j'ai-tu besoin d'une résolution, non? Non, c'est un dépôt. OK, c'est un dépôt. C'est M. Marco Lavoie. Merci. 9. Oui. Renouvellement de l'entente avec l'Alpen pour l'année 2022. Proposé. Merci Dufault, merci. On a une petite... En 10, modification de la résolution numéro 2022-01-09 visant la tarification de la base plenaire du lac Néant. C'est surtout sur Madame, s'il vous plaît, Madame Lapointe. Oui, vous avez adopté la résolution de la tarification pour l'ensemble des services ainsi que la location en janvier dernier. Mm-hmm. Mais on vient modifier cette résolution-là pour changer le tarif de location des kayaks et des pédalos qui était à 15 $ pour 20 $ Pour 20 $ C'est une mise à jour, ça prend un proposeur. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Monsieur donc, Tanné. Les pédalos, ils vont passer de 15 $ à 20 $ À 20 $ Pour cette année. Oui, oui. Il n'y avait qu'un tarif pour les deux de location. Mm-hmm. Alors, ça passe de 15 à 20. Merci, Madame Lapointe. Ça vous convient, monsieur? Oui. Mais on avait dit que pour les gens du milieu... En fait, la résolution que vous aviez votée en janvier, oui. Il y a une distinction entre la location et le lavage. Qu'est-ce qui était gratuit pour les gens de l'endroit? C'était le lavage, qui est le lavage des kayaks et tout, qui est gratuit pour les résidents. Mais pour la tarification, il n'y avait pas de nuance si on était... si quelqu'un de Saint-Aimé ou quelqu'un de la Malbaie vient louer un kayak, c'est le même prix, c'était 15 $ Alors, on vient changer de 15 pour le 20. C'est dans l'allocation qu'il y avait l'exemption. OK. Dans le lavage, je veux dire, excusez. Et maintenant, on passe au point 20, 11, c'est-à-dire renouvellement de l'entente de travail entre le syndicat et la municipalité pour l'employé numéro 49, l'autorisation de signature. On vient reconduire exactement la même description de tâche et le même élément, là. C'est renouvelable à chaque année. C'est renouvelable à chaque année. C'est les mêmes dispositions que l'année dernière. Parfait. C'est proposé par... Je propose. Monsieur Simard. Rémi Simard, merci. 12. Acceptation de la soumission numéro 10909 du groupe de signalisation de l'Estrie incorporée pour l'achat de poteaux au montant de 731,96 $ avant taxe. Ça veut dire 7 poteaux pour les arrêts d'autobus pour le transport collectif. On devrait avoir une partie qui va être remboursée. Oui. Pour l'instant, il faut les acheter. Oui. OK. On va en avoir dans la municipalité? Oui. Transport collectif, ça a été discuté hier par la MRC en plus. Là. Okay. Donc, ils vont passer dans la municipalité de Saint-Denis aussi? Oui. Ah, oui. C'est intéressant, ça. Oui. Puis, il va y avoir des points que je vous reparlerai là, okay. Dans une autre réunion de la semaine prochaine. Ça. On a les points qui ont été donnés par la MRC par municipalité hier. OK. Les stations. Les stations. Ah, je dis les points, c'est les stations. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Un proposeur. OK. J'ai entendu M. Dufour, merci. 13. Correction de la soumission de Roxolf, on va l'apprendre, numéro 24538, visant la formation sur le logiciel de réservation Anemone 231,96 avant taxe.
Madame, s'il vous plaît. Oui, vous l'aviez adopté le mois passé. Oui. La soumission est à 420 quelque chose. Mm-hmm. En fait, on vient faire la correspondance. En réalité, le décompte là, va nous coûter moins cher. Va nous coûter 231,96. Donc, on vient faire l'arrimage entre la soumission, la correction de la soumission pour le paiement de la facture. Parce simplement. Qu'on avait un crédit, je crois. Aussi, puis oui. On a revu le nombre d'heures aussi. J'y ai parlé, puis bien on négocié, a arrangé ça. Parfait. Le mieux pour nous. On a-tu un proposeur pour... Je propose. Merci, Mme Graville. 14. Entériner l'acceptation de l'inscription pour la formation de secourisme en milieu de travail de Mme Isabelle Simard, M. Olivier Lavoie, Mme Océane Lebel et Mme Lise Lapointe. Je le propose. Il y aurait trois postes subventionnés possiblement, c'est par quart de travail. Oui. Le mien serait payable parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a par gratuité, c'est 129 $ la formation. Mm-hmm, mm-hmm. Pour vous. Merci, M. Dufault. 15. Autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de la région de la Capitale-Nationale, le FRCN, ou le Fonds ruralité et région, le FRR, pour le volet 4. Au volet 4. C'est, vous le savez, on a monté pour le pavillon à la base plénière. Puis avec mission de développement économique, on est en train de regarder où est-ce qu'on pourrait aller chercher des soumissions, c'est-à-dire des subventions, et c'est possible. OK? On avait déjà attaché des montants. On le sait très bien, ça a sorti plus cher que ce qu'on avait prévu à 150 000. Puis à ce moment-là, regarde, on va trouver des partenaires pour nous aider. Puis mission de développement économique, il dit, si tu ne passes pas dans un, tu vas passer dans l'autre, c'est sûr. Mm. Oui, c'est ça. Puis, Madame, on a déposé les dernières oui. statistiques au niveau touristique. Oui. Et puis, on vient rejoindre les objectifs du programme. Là, exact. Parce qu'ils ont été agréablement surpris de la fréquentation. On le disait tout à l'heure, Mme Lavoie. Tant mieux, hein? Les taux de participation ou de provenance sont plus élevés qu'on pense des gens de l'extérieur. Alors, c'est du positionnement, ça fait que c'est plus facile d'avoir des subventions oui. sur ces volets-là. Dans ce temps-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Danny Carvé, merci beaucoup. En 16, acceptation de l'offre de service professionnel de Maître André Simard Tremblay, de l'étude CST, notaire incorporé, de l'AMALBE pour un mandat visant la rédaction d'un acte de servitude se rapportant à la propriété portant le numéro de matricule suivant 1982-72-7815-0000000. Vous connaissez le sujet. C'est ça, ça fait suite à l'entente qui a été signée. C'est ça. Selon les modalités de la proposition des services de notaire qui ont été soumises en date du 16 mai. 16 mai. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Thivierge, merci beaucoup, Monsieur Thivierge. En 17, base plénière du lac Nerm, entériner l'acceptation de la commande numéro 33-53-10-39-83-37 à Bell pour l'installation de deux modems. Tout a été commandé, Madame. C'est ça? En fait, oui, c'est entériné. On oui. a fait la rencontre et le conseil était partant sur l'arrangement qui avait été proposé lors de cette rencontre-là. Mm-hmm. Alors, les modalités ont été prises pour les installations, avec aussi le maintien des services avec d'autres distributeurs. Et puis, l'installation a été faite, le calibrage est en voie de se réaliser, d'être complété. Puis on a deux modems qu'on conserve avec le câble lourd de ça. Notre-Dame-des-Monts. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Rémi Simard, merci. En 18, l'autorisation d'embauche. On l'a rencontré
ce matin, pour le poste de journalier, étaient présents M. Rémi Simard, M. Daniel Bois, Mme Lise Lapointe et moi-même. On a rencontré un candidat en la personne de M. Sylvain Godreau comme journalier pour travailler avec nous pour un troisième homme pour le travail qu'on a à faire. On était, M. Simard, vous pouvez commenter si vous désirez, ce serait intéressant. Je pourrais peut-être le faire dans le discours. Ah, OK. D'accord. C'est beau. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Merci. 19. Acceptation de la soumission numéro 11-13 de Chapiteau du Monde pour la location d'un chapiteau pour le camp de jour du camp Le Manoir des Éboulements. Au montant de 3 509 avant taxe. Plus taxe. Proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Gravel, merci. 20. Demande d'autorisation pour l'installation d'apposer des panneaux de signalisation pour la tenue du triathlon de Charlevoix pour 2022. Madame Lapointe, s'il vous plaît, vous... Oui, en fait, vous aviez déjà voté la résolution pour les fanions, le prêt des deux employés, bien, ça vient compléter au niveau de la signalisation pour l'affichage puis la sécurité. Alors, c'est deux prêts, deux soutiens d'hommes avec un véhicule pour pouvoir placer selon les itinéraires qui ont été jointes à la demande puis qui font partie intégrante de la demande. Donc, je trouvais que c'était préférable de passer la résolution là, pour le circuit de ces affiches-là. Moi, j'aurais une question concernant le triathlon. Est-ce qu'il y a eu une autre rencontre? Oui. Madame Gravel, pour vous répondre, moi, j'ai rencontré M. Stéphane Charest. Puis j'y ai donné le numéro de téléphone, le nom de la personne qui avait parlé ici, là, en réunion, puis son numéro de téléphone. Il dit qu'il s'est très bien entendu avec, puis la réponse était positive. Et, mais il acceptait de faire l'alternance, quelques petites corrections, mais... En fait, là, ce que vous votez ce soir, les circuits qui sont proposés, il y a des voies d'évitement qui vont permettre certaines circulations. Oui. Donc, il vient répondre aux préoccupations de sa... que le monsieur, notamment, avait manifesté. C'est ça. Alors, ils ont fait un effort important, le triathlon, là-dessus. Exactement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Madame Gravel, merci. En 21, achat de publicité dans les journaux Le Manique, Le Nord-Côtier, Haute-Côte-Nord et Le Charlevoisien. L'autorisation pour l'achat de publicité sur la base plénière du lac Nerne, au montant de 225 $ avant taxe. Pouvez-vous en parler un petit peu, madame? Oui, c'est ça. En fait, c'est une publicité qui va passer dans le cahier La Route des Vacances. Ça va circuler pendant 10 semaines, du 10 juin au 17 août, dans 4 journaux que madame la mairesse vient de mentionner. Alors, pour un coût de 225 $ avant taxe. Alors, c'est un bargain, comme on dit. Alors, c'est de la visibilité pour la base. Je le propose. Proposé par M. Dufour. Merci. Oui. En 22, don et commandite, premièrement, don au comité de parents de l'école Beau-Soleil pour l'organisation d'une activité de financement au montant de 100 $. On appelle l'OPP, Mme Gravel, hein? C'est-tu ça, l'OPP? Oui. Oui, je crois que oui. La participation des parents. Oui. Avec les enseignants qui organisent une activité de financement. D'accord. Au montant de 100 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Proposé, M. Thivierge. Merci. En B, commandite pour le tournoi du risque. C'est un tournoi de golf... que vous m'aviez commandité. Puis, moi, je suis pas membre du Murray Bay. Hein? Puis, j'aime ça jouer ce tournoi-là. Il n'est pas dispendieux. Il coûte 80 $, mais je suis pas membre, donc il y a un ajout de 30 $. Ça veut dire 110. Est-ce que vous l'autorisez? Je le propose. Monsieur Dufour, merci. C. Gala de l'excellence de l'école secondaire du Plateau
demande de commandite au montant de 100 $ pour le gala de l'excellence. Je propose. Madame Gravel, merci. Information sur le compteur d'eau. J'aimerais, madame, que vous lisiez le faire une courte... Ah oui, c'est important. Oui, mais monsieur Dufour va en parler. Peut-être que monsieur Dufour va... Monsieur Dufour, tout à l'heure. Voulez-vous en parler tout de suite? Concernant les compteurs d'eau? Oui. S'il vous plaît, j'apprécierais. Ben, présentement, comme on l'avait annoncé dans une réunion précédente, on procède à l'installation des compteurs d'eau. Je sais que la population, là, présentement, on semble un petit peu plus réfractaire à ça, là, parce que j'ai su que les plombiers, ils rentraient en contact avec les clients, puis il y en a qui ne voulaient pas l'installation des compteurs d'eau. C'est certain que c'est une obligation, on le sait, que les gouvernements nous obligent à faire l'installation des compteurs d'eau dans les maisons. Par contre, on a constaté que peut-être que les gens manquent un peu d'informations à ce sujet-là, parce que c'est sûr qu'on a, j'en ai parlé pendant une réunion, mais je considère que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui écoute les réunions municipales. Alors, Mme Lapointe et Mme la mairesse, ils ont décidé qu'ils allaient envoyer une communication afin d'informer la population là-dessus. Alors, très bientôt, les gens vont recevoir une correspondance leur expliquant les grandes lignes et les raisons pour lesquelles on doit emboîter le pas là, dans ce programme-là. Alors, moi, je demande aux gens, là, c'est sûr que les compteurs d'eau, c'est pas tout le monde qui en veut, mais il faut faire un petit effort parce que c'est une obligation. On sait que c'est depuis 2017 que l'obligation, c'est nécessaire d'en avoir. Toutes les autres municipalités ont emboîté le pas. Il demeure que Saint-Aimé-des-Lacs, à l'heure actuelle, on est la seule municipalité qui est dans l'obligation de le faire, qui n'a pas encore procédé. Puis je demanderai une collaboration aux citoyens là, pour accepter, parce que les gens, là, ils pensent qu'on a ciblé des maisons, quoi que ce soit, pour aller installer des compteurs d'eau, mais c'est pas vrai. C'est le ministère qui détermine les adresses. C'est une obligation, puis... Présentement, là, c'est le but de l'exercice, c'est de déterminer des consommations, faire des statistiques par secteur. Alors, puis ça, c'est dans le but de découvrir s'il pourrait avoir des fuites sur le réseau. Et parce que l'environnement, c'est important, puis l'économie d'eau, c'est très, très important. Là, en 2022, l'eau, on sait qu'il y a des endroits qui en manquent. Alors, il faut faire un effort. Là. Alors, je demanderai à la population de collaborer là-dessus. Là, je sais qu'il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Moi, je suis disponible. Si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi ou encore avec Mme Lapointe là, pour avoir de plus amples informations, j'ai déjà répondu quand même à plusieurs citoyens à des questionnements là-dessus. Mais je demande la collaboration. Là. C'est pas le but de l'exercice, c'est pas de surveiller des personnes pour dire ben, « tu consommes plus qu'un autre » ou quoi que ce soit. C'est de faire des statistiques par secteur. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas toutes les mettre aux mêmes places. Il faut les repartir à l'intérieur de la superficie du réseau d'aqueduc. Alors, c'est pour ça qu'il a été déterminé que certaines adresses en avaient, d'autres n'en avaient pas. Alors, je demanderai la collaboration des citoyens là, qui ont été interpellés par la firme de plomberie qui veut procéder à l'installation. Alors, vous, Mme Lapointe... Oui, en fait, vous devrez recevoir la correspondance dans le courant de la semaine prochaine. Oui. Okay. Et il y aura un communiqué de presse également qui va être publié et disponible sur notre site Internet. Mais comme vous l'avez dit, ça ne cible pas. Peut-être que pour les gens, ils prennent personnel, on les observe. Ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment d'avoir des lectures statistiques sur la consommation. C'est l'étape pour lequel il y a des compteurs qui ne sont pas installés partout. Il n'y a rien qui nous dit que dans quelques années, la directive du ministère, ça ne sera pas partout. Là. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui sont ciblés, moi, je sauterais sur l'occasion de les faire installer parce que plus tard, on ne sait pas comment ça peut se défrayer. Mais pour l'instant... oui, c'est un objectif qui est louable. Ça vise
une bonne gestion de la ressource, les coûts d'installation des équipements comme de l'aqueduc et de l'aqueduc ne sont pas gratuits pour une municipalité. Donc, c'est des équipements qui n'ont pas non plus une viabilité indéfinie non plus. Alors, rationaliser la ressource, je pense que c'est important, ou l'utiliser à bon escient. Mais on ne demande pas à ceux qui ont le compteur de changer leur habitude de vie non plus. Là. Non. S'ils ont une piscine, qu'ils continuent à avoir la piscine. Là. C'est pas ça. Puis souvent, ils sont déjà sensibles aux réglementations qui sont en vigueur sur les journées, par exemple, où on doit arroser nos parterres ou pas. Alors, c'est simplement une question d'un objectif collectif qu'il faut regarder. Alors, on demande la participation de tout le monde. Oui. Comme M. Dufour l'a bien mentionné, c'est une directive du ministère. On ne peut pas y échapper. Et d'autant plus que si on ne s'y conforme pas, quand on va demander des aides gouvernementales dans d'autres programmes, on va être limité et ça va nous pénaliser beaucoup plus que le coût d'installation actuelle de ces compteurs-là. Puis, ce qui a été proposé, c'est 20 résidentiels et 5 commerces pour cet événement-là. Information sur le tirage des billets du rodéo de Charlevoix. J'ai eu une suggestion que j'ai trouvée très intéressante de M. Dufault, puis quand il était venu au bureau cette semaine, c'est que, vous savez, nous autres, on a commandité le rodéo de Charlevoix à la hauteur de 500 $. M. Dufour, il dit, à ce moment-là, bien, c'est des droits d'entrée, parce que le rodéo de Charlevoix, c'est du 23 juin au 26 juin inclusivement. Puis M. Dufour, il dit, puis ça donne droit à 2 billets. Il dit, pourquoi pas, il dit, faire un tirage de billets chacun pour les laisser passer pour les activités au complet. Monsieur Simard est aussi complice dans cette chose-là. Monsieur Simard était de connivence aussi, merci. Ouais, ouais. C'est moi qui l'ai proposé. J'aime ça, j'aime ça quand vous... Ouais. C'est ça, vous l'aviez proposé, puis c'est bien correct, oui. Puis, avez-vous gardé comment vous alliez procéder? Il y a des billets, là. Monsieur Dufour, voulez-vous l'expliquer? Vous étiez au bureau? Je ne sais pas comment vraiment ça s'est terminé. On a ciblé ça. Finalement, on a des billets qu'on va rendre disponibles aux gens. Donc, les gens se dirigent au bureau municipal. Oui. On leur donne le billet. C'est un billet par adresse civique. Donc, si vous êtes 5 dans la maison, il y en a un qui va venir chercher le billet. Il y en a un billet qui va être donné par adresse civique. Et on va procéder à un tirage mercredi soir. Et à deux billets. Donc, les deux billets, on va les faire tirer pour les résidents qui sont venus se procurer le fameux billet là, pour le tirage. Et ça leur donnera accès, bien sûr, aux gratuités d'inscription, je pense, pour entrer sur le site. Oui. Fait que il y a deux maisonnées chanceuses qui vont avoir un billet par maisonnée. Le tirage, ça ne sera pas mercredi cette semaine, ça va être mercredi? Mercredi prochain. Hein, c'est ça. Déjà mercredi qui s'en vient? Mercredi, on avait dit le... Le 16, est-ce que c'est possible? Oui, c'est vrai, Oui, il me semble qu'on avait parlé de ça. Bien. Ça fait merci. Donner le temps aux merci. Gens de... Puis on a tombé en vacances. Pour donner le temps aux gens de venir C'est le 15. Vous avez raison, c'est le 15. Ouais. Parce que nous autres, le conseil, ce qui c'est qui est bon là-dedans, c'est qu'on veut en faire profiter nos citoyens. Puis nous autres, si on veut y aller, on est capable de se procurer des billets, n'est-ce pas? Puis le 500 $ aussi est attaché à ça, puis ça a bien du bon sens. Merci beaucoup. Alors, il faut se diriger. On va faire un communiqué, peut-être, pour le dire aux gens, de ne pas oublier de venir nous visiter au bureau municipal. Et puis, on donnera le billet. Puis nous, on va cocher les adresses civiques qui ont eu un billet. C'est ça. Fait qu'on ne peut pas s'essayer d'en avoir deux. Non, c'est ça. Voilà. On va faire un peu de publicité là-dessus pour être certain que tout le monde... Passer le mot. Hein? Oui, c'est ça. Pour être certain que tout le monde va au moins être au courant que... Puis ce tirage-là, ça s'adresse à toute la population de Saint-Thomé, à toutes les adresses. Là. Pas nécessairement juste aux résidents, là. C'est aussi aux saisonniers. Aux saisonniers également. C'est ça. Sauf les employés municipaux. Sauf les employés, oui. Sauf les employés municipaux. Puis le conseil. Puis les élus. Ouais, c'est ça. Monsieur Simard, merci de votre suggestion. Ça me fait plaisir. Bon, maintenant, on va passer au suivi des dossiers par
les membres du conseil, en commençant par M. Thivière, s'il vous plaît. Oui, il y a deux contrats de voirie qui viennent d'être exécutés, presque. Oui. Et on se projette, la municipalité se projette d'instaurer un plan directeur de voirie, oui, qui va permettre à la municipalité d'identifier les endroits ou les chemins ou les rues plus critiques. Ça va libérer, disons, d'avoir du favoritisme un peu pour un coin ou un autre. Là. Fait que, le plan directeur, ben, on est identifié par des professionnels qui vont nous dire, ben là, c'est la partie qui presse le plus à réparer, comme on dit. C'est ça. Ça fait que, on va s'en tenir à ça le plus tôt possible. Oui. Plus tôt possible. C'est une très belle suggestion, M. Thivierge. Vous l'avez déjà proposé, c'est une très belle... directeur de voirie, c'est une belle suggestion que vous nous faites. Comme je dis, là, les deux contrats en cours sont finis ou presque. La rue principale et la rue de la réserve. À la satisfaction, j'imagine, de tout le monde. J'espère bien. Merci. Il y a d'autres projets parce que il y a d'autres projets encore en cours, mais ça va venir plus tard. Oui. Merci. Merci, M. Thivierge. Et M. Marco Lavoie, s'il vous plaît. Oui, bonjour, mon dossier, c'est... Le hockey, ça va très bien. Le hockey costume. Mercredi puis le jeudi. Ensuite de ça, les pompiers ont sorti trois fois ce mois-ci. Pour ça, le TNO a sorti aussi pour un monsieur qui avait un accident de quatre roues. OK. Puis quand on sort en bois, dans la forêt, c'est de s'assurer de ne pas être seul. Exactement. C'est très important. Il était seul, puis il y a eu de la misère. Une chance qu'il y en a un qui pêchait pas loin. Il a entendu crier. C'est vrai. Il faut faire attention en forêt d'être au moins deux. Pour avoir des bons signes de cellulaire pour les urgences. C'est à peu près tout. OK. Merci. Vous êtes rendu. Vous avez-tu pris votre campement à la base plein air? Oui. Je pense que oui, hein? Oui. Vous avez commencé avec votre famille? Oui. Merci. Madame Gravel, maintenant. Oui. Alors, moi, je vais vous parler de la bibliothèque La Plume d'Or. Tous les mardis soirs de 18h45 à 20h. Les personnes qui font partie du comité, évidemment, ont acheté des nouveautés, des nouveaux livres, achetés à la librairie Abbé-Saint-Paul. C'est une librairie agréée. On est obligé d'acheter dans une librairie agréée. Alors, et la propriétaire, c'est Mme Marie-Claude Gagnon, qui est native de Saint-Émilion-des-Lacs. Donc, oui. Si vous voulez lire des nouveautés, ben, c'est le temps parce qu'elles sont rendues à la bibliothèque. Pour avoir accès à la bibliothèque de Saint-Émilion-des-Lacs, La Plume d'Or, vous allez sur le site Saint-Émilion-des-Lacs, vous cliquez dans l'onglet Bibliothèque La Plume d'Or et vous arrivez sur la belle page de la bibliothèque qui vous donne accès à vous inscrire en ligne si vous n'êtes pas déjà inscrit pour devenir abonné, sinon à faire l'emprunt de livres en ligne. Vous avez le droit d'en emprunter 7 à la fois, c'est quand même beaucoup, mais c'est ça. Et puis, vous pouvez aussi emprunter ou lire des magazines en ligne, des magazines qui sont très connus. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, je peux vous dire que vous en avez amplement assez pour passer des belles soirées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? La FADOC. Est-ce que vous avez des livres numériques? Oui. Aussi? Quand vous allez sur le site... de la bibliothèque La Plume d'Or, vous avez accès, en étant abonné évidemment, à des livres numériques, puis vous avez le droit d'en emprunter 7 à la fois. Quand vous allez sur place, à la bibliothèque, bien, à ce moment-là, je pense qu'il y a une limite de peut-être 3 livres par personne, mais vous pouvez renouveler facilement là, à toutes les, avec une séquence, là, puis c'est pas très, très, très compliqué. Mais les gens lisent assez vite, donc ils renouvellent assez rapidement aussi. Très intéressant. Puis les magazines en ligne, c'est intéressant. Aussi, je vais vous parler d'un magazine qui est super intéressant, Le Bel Âge. Vous allez dire, les plus jeunes vont dire, c'est pas pour nous autres, mais c'est pour d'autres personnes qui sont intéressées à lire. Un magazine qui a quand même beaucoup de contenu. Puis ce magazine-là, vous allez sur le site. Puis, vous pouvez vous abonner, disons, à l'infolettre. L'infolettre va vous envoyer plein d'informations sur le magazine Le Bel Âge. C'est un magazine qui peut être en ligne aussi, que vous pouvez retrouver dans le magazine en ligne de la bibliothèque La Plume d'Or, du réseau Biblio, si on peut dire. Aussi, la FADOC,
La FADOC donne la possibilité, quand vous allez sur le site FADOC, je vous parle beaucoup de sites parce qu'on en est rendu là. Hein? Avec la pandémie, ça nous a dirigé facilement là, sur des sites où on pouvait aller chercher plein d'informations, puis en plus aller sur des organisations d'activités qui étaient permises à ce moment-là, mais en ligne. Donc, FADOC, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à l'infolettre FADOC. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'être abonné, d'avoir une carte d'abonné. Ils vont vous envoyer l'infolettre, ça veut dire toutes les informations que la FADOC fait comme activité, aussi les sujets qu'elle défend, parce que la FADOC, c'est une association, ça contient, je pense qu'il y a 550 000 membres, puis c'est un organisme qui est quand même assez fort, alors leur voix porte, parce qu'ils défendent des sujets quand même assez importants pour les aînés. Donc, ce sont deux sites que je vous conseille d'aller voir, d'aller visiter. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et ça vous va sûrement combler vos attentes au niveau de ces sujets-là. Il y a aussi le volet culturel. Jean-Philippe Bergeron m'a envoyé une information par courriel. Place au spectacle de Charlevoix à Paris. Alors, la prochaine saison estivale s'annonce fort prometteuse pour l'entreprise chez les Bergeron, qui réouvriront leurs portes, qui ouvriront les portes de son café et de sa boutique du terroir le 23 juin. 23. Oui, et le spectacle thématique, c'est de Charlevoix à Paris, tous les dimanches de juillet et août à 14 heures. Alors, tous les dimanches. Vous savez pas trop quoi faire le dimanche, vous êtes assuré qu'en juillet et août à 14 heures, il va y avoir un spectacle à Saint-Denis-des-Lacs. C'est oui, ça. 14 heures. Merci. Et c'est sur contribution libre. Alors, Jean-Philippe va chanter avec sa mère Guylaine et Cédric Martel qui va l'accompagner aux percussions. Et il va y avoir aussi de nombreuses photos de Pierre Rochette qui sont diffusées sur un écran qui contribueront à mettre de l'ambiance pour le spectacle. Alors, il y a aussi, ça nous rappelle l'époque inoubliable des bateaux blancs que les personnes qui vont aller au spectacle vont revivre sur à partir des chansons et des photos qui sont sur l'écran. Monsieur Étienne Bouchard aussi, qui a composé une nouvelle chanson en hommage à la région, et aussi une chanson, Elle est d'ailleurs, qui a été composée par Guy Saint-Ange, qui est très populaire, qui est demandée à chaque fois que Jean-Philippe fait un spectacle. Donc, c'est tout ça pour donner l'information que de Charlevoix à Paris, va être tous les dimanches après-midi à partir de 2 heures, contribution volontaire, les mois de juillet et août de cet été. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Puis, j'ai passé cette semaine, je pense que la petite chapelle est ouverte. Oui, oui, tous les la mardis, chapelle est je ouverte, pensais. Oui. Tous les mardis, il y a une célébration oui. de la messe à 7 heures. À 7 heures. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés. Ben oui, notre belle chapelle. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient à la chapelle. Oui. Il y avait tellement hâte de revenir. Oui. Parce qu'avec la COVID, ça a été carrément fermé. Là, c'est réouvert, puis les gens aiment beaucoup ça, sont très contents. Oui. Est-ce que c'est ouvert le jour où le monde peut visiter? Le jour, c'est pas. Ça prendrait un projet. Ça prendrait un projet, là. Un projet de. À ce moment-là, pour les chapelles, ou même il pourrait avoir des artistes qui pourraient aller peindre aussi, mais ça prend un projet okay. avec un étudiant éventuellement. Ça pourrait être intéressant de travailler ça, c'est un volet culturel. C'est bon ça. OK. Merci beaucoup, Mme Gravel. Et maintenant, M. Danick Harvey. Bon, tout d'abord, on va commencer avec le Centre Émile Lacroix. Oui. On a comme plan, nous, le conseil et le conseil du Centre Émile Lacroix de faire un plan pour continuer la relance du Centre Émile Lacroix. Comme vous le savez, on a donné un certain montant d'argent là, quand la COVID a commencé à être terminée pour justement aider notre centre. Bien évidemment, il n'y avait pas de revenus pendant 2 ans. De cette façon-là, on a permis de un petit peu soulager là, le bobo. Mais le but, c'est de les aider sur le long terme et non sur le court terme pour que ce soit quelque chose qu'on soit capable de garder parce qu'on veut le garder. Que ce soit du côté du Centre Émile Lacroix comme du côté municipal, les conseillers, on ne veut pas perdre les gens qui sont là parce que c'est ces gens-là qui s'en occupent. Puis c'est bien qu'on ait un conseil qui s'en occupe de ce côté-là. Si ça vient du côté municipal, on ne saura pas quoi faire avec. On veut que ces gens-là s'en occupent. Ça, c'est notre plan pour ça.
Au niveau de la sécurité publique, c'est super tranquille. Oh, pour le centre Ménacois, juste mentionner aussi qu'il y a une rencontre avec une Mme Blanchard pour justement... Aujourd'hui. Pour l'objectif, justement, le même objectif. Puis il y a un vouloir là, de M. Godin aussi. Là. On travaille là-dessus. C'est pas déterminé encore, mais on travaille fort là-dessus. Puis les conseillers, moi comme les autres, là, on veut que ça avance. Bien sûr. Sécurité publique, c'est tranquille. CCU, c'est tranquille. Le bulletin municipal, j'ai fait de la réception de l'ordinateur la semaine passée. Je vous garantis rien, là. Dans mon travail, là, c'est pas compliqué. Les mois les plus importants, puis malheureusement, que je risque de faire de l'overtime, c'est le mois de juin et le mois de juillet. Par la force des choses, probablement fin juillet, début août, pour le bulletin municipal. Je vous lance ça comme ça. Et voilà. J'aimerais lancer aussi une petite note pour le casse-croûte de Saint-Aimé. C'est le fun de voir les gens qui passent là. C'est le fun d'avoir un casse-croûte. Surtout que je reste pas loin. Fait que je suis bien content de voir que ça a réouvert. Puis aussi, Fourchette et Vinaigrette, que j'ai vu, je pense, qu'ils ont passé dans le... Oui. C'est super de voir ça. J'aime ça qu'on voit Saint-Aimé-des-Lacs. Là. Surtout que ces gens-là sont merveilleux, là, que ce soit du côté du casse-croûte de Saint-Aimé ou ces Fourchettes et Vinaigrettes. Là, c'est des gens super accueillants. Là. Gênez-vous pas pour y aller. Fait que c'est terminé pour moi. C'est délicieux. Merci, M. Harvey. Ben. Une crème gratuite. Maintenant, M. Rémy Simard. J'ai pas été payé pour ça. Merci, Mme la mairesse. Moi, là, on était à la recherche d'un poste de journalier qu'on avait affiché. On l'avait affiché sur le site Internet. Puis, on était à recherche. Puis on s'est croisé les doigts parce que dans la réalité qu'on vit présentement, m'a dit comme on dit, on ne se botte pas dans le personnel. C'est vraiment une pénurie. Puis ce matin, on avait quelqu'un qui est venu. On avait un comité d'intervieweurs. Disons que où était quatre. Ça a duré presque 2 heures. Puis, on va vous dire une affaire. Je pense que le comité, en général, a été satisfait de l'entrevue qu'on a eue avec le monsieur en question. Disons que c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, qui a un grand vécu. Puis, moi-même, là, pour m'avoir rencontré des travailleurs, là, vous dire que j'ai été agréablement surpris. Puis je pense que c'est... Je ne veux pas parler au nom du comité, mais je pense que c'est la majorité aussi. Qui... C'est à l'unanimité. Oui. C'est plaisant parce que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui a du vécu, qui a travaillé... il y a beaucoup de cordes à son arc. Là. C'est quelqu'un... Puis c'est plaisant. C'est sûr que on a eu une petite pirouette à faire, là. Mais moi, des pirouettes de même, là... Je déteste pas ça. J'aime ça. Puis, en tout cas... On peut le nommer, c'est monsieur. Oui, c'est un monsieur Godreau, monsieur Sylvain Godreau. Sylvain Godreau, qui habite Saint-Aimé-des-Lacs. Il habite la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Puis c'est quelqu'un d'une certaine âge. Il a travaillé sa construction, mais il était porté à aller travailler en dehors. Puis là, ben, il veut se rapprocher de chez eux, de son familial. Puis, je pense que ça a été positif. Puis, comme je vous dis, on a eu des petites concessions à faire, mais je pense que ça en valait la peine. Puis, il reste des petits détails à ficeler, mais je pense pas qu'il n'y a pas grand nuage à l'horizon. On dit que le diable est dans les détails, mais je pense que... Il n'y a pas de diable. Le diable, je pense qu'on l'a fait disparaître. C'est ça. Avec la baguette magique. C'est ça. Puis, pour les bâtiments, justement, j'étais à bâtisse municipale. Puis j'ai été jeter un coup d'œil à la toiture. Là, j'étais pas agréablement surpris. Non. J'étais vraiment désolé. Puis j'ai visité le bureau de la mairesse. Les 2 derniers jours qu'il a plu, là, ben, la pluie rentrait dans le bureau. Là. Puis ça fait que là, J'ai mis un roche là-dessus là, pour que ça presse. Oui. En fait, c'était déjà au plan triennal de mobilisation. Mais c'est sûr qu'avec les vents importants, ça a levé. Oui. Puis la journée de la grande pluie, vendredi, ben, Mme Gagnon n'était pas dans son bureau. Une chambre. Parce qu'elle a eu une douche. Oui, mais les employés ont canalisé rapidement...
Le bris, temporaire, on s'entend, mais la réfection est à refaire. C'est sur le de la toiture. Parce que j'examine ça dehors, là, en arrière, là. C'est pas beau. Non. Cette partie-là est la plus abîmée. On va se refaire des prix, M. Simon. Oui, avec des soumissions. Avec des soumissions. C'est sûr. Pour, on en avait une l'année passée, mais là, oui, un an après, là, c'est plus le même prix. Là. Mm-hmm. Puis c'est sûr que quand on a deux, trois soumissions, ben là, on peut plus jouer nos cartes. Puis c'est pas mal tout, moi. Okay. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, M. Simon. Et maintenant, on passe la parole à M. James Dufour. Alors, merci beaucoup. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le repas que souper bénéfice que l'OPP prépare là, pour l'école Beau-Soleil, mm-hmm. comme Mme Gravel en parlait tout à l'heure. Moi, j'aimerais aviser la population que présentement, les enfants, les enseignants et le personnel de l'école Beau-Soleil vendent des billets pour un repas, un souper bénéfice qui va avoir lieu le jeudi 9 juin à 17h sous le chapiteau de la base de plein air. En cas de pluie, ça va être reporté au jeudi suivant, 16 juin. Donc, le souper bénéfice, on a deux choix de repas. C'est soit poitrine de poulet barbecue avec patates au four, sauce, salade de choux, breuvage et dessert au coût de 20 $ ou encore c'est deux hot dogs, un breuvage et un dessert au coût de 6 $ Donc, j'inviterais les gens à les encourager parce que l'OPP, c'est des parents bénévoles qui s'impliquent afin de faire des activités de bénéfice pour organiser des activités pour les gens. Le genre d'activité qu'on organise, c'est par exemple, dans le temps des cabanes à sucre, l'OPP paye souvent un repas aux cabanes à sucre. Ensuite de ça, l'hiver, ils amènent les jeunes à la station Tiki le Grand Fond à des coûts très modiques. Là, je pense que c'est 5 $ puis la contribution, la balance de la contribution provient de l'OPP. Ensuite, ils organisent aussi les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, puis on sait que lorsqu'ils organisent ces activités-là, bien, il y a souvent un repas d'offert gratuitement aux jeunes. Alors, c'est sûr que ça prend des sous pour faire ça, puis l'OPP, il organise justement des activités bénéfices pour récupérer de l'argent pour aider nos jeunes un peu, parce que dans nos petites écoles, là, c'est pas évident là, d'avoir des activités. Les budgets sont quand même assez serrés. Alors, ça prend une implication de parents comme ça, puis je veux pas les nommer parce que je ne veux pas en oublier, là, mais je tiens à les remercier puis à dire qu'ils font un très, très beau aussi. Travail et les féliciter aussi. Mm. Alors, les billets sont présentement en vente, et puis la vente est jusqu'au lundi 6 juin prochain. Alors, ceux qui sont intéressés, j'aimerais que vous rentiez en contact soit avec des jeunes que vous connaissez qui vont à l'école ou encore du personnel enseignant mm-hmm. ou encore les membres de l'OPP qui vont se faire un plaisir de vendre les billets. Lors de cette activité-là, il va y avoir aussi des prix de présence. Alors, c'est pour remercier les gens. Puis, moi, je trouve que c'est une belle activité là, pour y avoir participé quand même à toutes les années quand mon fils allait à l'école. Ma conjointe était aussi organisatrice dans l'OPP, fait que je sais que c'est beaucoup de travail organiser ces soupers-là. Alors, j'aimerais que les gens les encouragent. Oui, c'est vrai. Ensuite, je voudrais faire un petit retour sur le hockey Cossum pour faire un petit... un peu d'un supplément d'information à ce que M. Lavoie disait tout à l'heure. On sait que la Ligue féminine joue le mercredi soir, la Ligue masculine le jeudi. Gênez-vous pas s'il y a encore des gens intéressés, on a encore de la place, on peut prendre encore des joueurs... Je sais qu'au niveau du féminin, la semaine dernière, il en manquait quelques-uns. Alors, c'est le fun d'avoir plusieurs participants parce que ça permet à d'autres... Je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières dans cette ligue-là. Puis souvent, eux autres, ils travaillent sur des horaires quand même assez variables. Alors, ça arrive qu'ils ne sont pas disponibles le soir. Mm-hmm. Alors, j'invite les gens intéressés. Là, même si vous venez d'autres places, nous autres, dans le masculin, on a deux jeunes hommes de Saint-Hilarion. Alors, c'est ouvert à toute Charlevoix, là, ceux qui sont intéressés à venir s'amuser avec nous. Là, au niveau du masculin, c'est le jeudi soir à 19h. Ensuite, j'aimerais aussi publiciser, j'ai reçu l'information que la coopérative de câbleaux distribution de Notre-Dame-des-Monts tenait son assemblée annuelle le 19 juin prochain à 13h. C'est un dimanche. Alors, la réunion aura lieu à leur bureau administratif au 30 rang des lacs. À Notre-Dame-des-Monts. Ça, c'est tout de suite à l'entrée du village entre Saint-Aimé et Notre-Dame. Alors, j'invite les gens
qui sont membres à se présenter. Je sais qu'il va y avoir des mises en candidature, il y a des postes en candidature, il va y avoir des tirages de prix de présence, puis je crois qu'ils vont avoir des bonnes nouvelles aussi à annoncer à leurs membres. Alors, ça serait intéressant. Là, moi, j'y vais quand même assez régulièrement. Ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu parce qu'il y a eu la COVID, mais moi, je trouve que c'est des belles réunions, puis on a l'essentiel de l'information, puis c'est... J'invite la population à y participer, ceux qui sont intéressés. Alors, ça fait le tour de mes dossiers pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Dufour. Oui? Sur le réseau d'Acaduc, il y a des gens qui sont hors réseau. Hors réseau, ça veut dire qu'ils ne sont pas raccordés avec le réseau municipal des provinces. En 1972-73, le réseau a été fabriqué avec des tuyaux d'alimentation pour l'eau en fonte, qu'on appelait la fonte ductile. Ça commence à percer par en dedans, ça se fait des abcès par en dedans, ça perce en dehors. Fait qu'il y a une douzaine d'années, on a refait le village en alimentation avec du PVC. Les fins de réseau, il y avait la rue Larouche, petit bout de Routivière, il y avait le lac Nerne, un bout au lac Nerne, puis un bout sur la rue principale. C'est pour ça qu'on appelle ça des fins de réseau. Là, il y en a deux de faits. Le lac Nerne, on l'a fait il y a quelques années. Cette année, on refait le bout là-bas. Il reste deux bouts. La rue Larouche. Oui. Chemin de Vierge. 5-6 maisons, 4-5 maisons. On avait une pétition à propos de ça. C'est pour ça que faut les gens là, qui restent à l'extérieur ou qui ne sont pas sur le réseau, mais des fois, ils se posent la question, c'est quoi ça? Okay. Fin de réseau, c'est ça. Bon. Ça aurait coûté moins cher que la municipalité le fasse quand on a refait ça il y a une douzaine d'années. Ça aurait coûté environ 70 000. Là, ça coûte 300 000, 400 000. C'est ça, les économies de bout, mais de bout de chandelle aussi. Parce que si on avait fait le bout chez Benoît Larouche, qu'on appelle la CNEL, qui a coûté encore 70-75 000 de plus, mais si on l'avait fait, ça aurait coûté peut-être 20-25 000. Mais c'était comme ça les politiques du gouvernement aussi. Il ne faut pas blâmer seulement la municipalité. Là. Le gouvernement, c'était, on voulait ça un petit bout. Le petit bout, là, c'est ça que ça coûte là, présentement. Fait que c'est tout simplement pour... ajouter des explications aux gens hors réseau qui comprennent que c'est ça, les hors réseau. Et voilà. Merci bien. Merci bien, M. Thivier. J'aimerais apporter un complément d'information aussi pour aviser encore la population que la municipalité a conclu une entente avec l'OBV concernant les trousses d'analyse d'eau. Donc, ceux qui ont des puits artésiens privés qui veulent faire des analyses d'eau pour voir la qualité de leur eau. On vous invite à vous présenter au bureau municipal. Madame Lapointe va pouvoir vous donner une trousse. La trousse est au coût de 40 $. C'est bien ça? Oui, on va faire l'avis. On a eu les trousses aujourd'hui. Oui. OK. Alors, à partir de là, on va établir, il va y avoir 3 journées de cueillette. Il devrait en avoir une en juin, une en juillet et une à l'automne. OK. Et quand on dit journée de cueillette, il faut comprendre que la journée où vous faites votre prélèvement, il faut nous l'apporter rapidement. Oui. Alors, on va annoncer des journées où on va reprendre, on va faire la cueillette de ces tests-là pour les acheminer très rapidement au laboratoire. Donc, il y a un délai important. C'est pour ça que ces dates-là sont importantes à retenir. Alors, si vous avez les équipements, faites pas le test 3 semaines à l'avance puis le laissez sur le placard, ça marchera pas, là. Mm-hmm. Alors... On va faire l'avis en conséquence des dates qui vont être arrêtées. D'accord. Mais on parle de 3 cueillettes. Normalement, vous en faisiez une les autres années. Là, on en fait 3. C'est important. Alors, moi, j'inviterais la population là, à participer à ce programme-là parce que c'est sûr que ça nous a été demandé. Puis, si le taux de participation est trop faible, bien, peut-être que dans les années futures, ça va être plus difficile de le faire. Mais je trouve que c'est un bel avantage parce que... Faire une analyse, là, si on ne passe pas par la municipalité, on peut parler de coûts autour de 150 $. Alors, je trouve, que c'est la municipalité contribue pour réduire ces coûts-là. Alors, je trouve que c'est un bel avantage qu'on offre aux gens à lesquels on ne distribue pas d'eau potable. Alors, quand les gens disent que c'est pas tout le monde qui bénéficie des services d'eau potable, ben, on fait quand même des efforts en amenant un programme comme ça là, pour en faire profiter notre population. Merci. Merci, M. Dufour. Et maintenant, on va passer la parole aux gens dans la salle pour la période de questions, si vous en avez. Vous allez vous nommer au micro, puis... Oui, bonjour tout le monde, mesdames, messieurs.
Marc-André Lucier. Je vois qu'il y a des travaux intéressants qui se font dans la municipalité. Je pense qu'on fait un pas en avant. J'ai marqué dans le chemin de la réserve que le chemin était fait sur toute sa longueur. Ça me paraît très bien fait. C'est très beau, très propre. Merci. C'est sûr que ça doit rendre les propriétaires heureux dans ce coin-là. Ce que je me demandais, c'est que, étant donné que l'entrepreneur est déjà sur place ici, je ne sais pas s'il doit faire d'autres travaux. Oui, travaux à Notre-Dame-des-Monts, à Saint-Hilaire. Okay. Alors, ce que je me disais, c'est pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de sa présence dans la municipalité pour éviter des frais de mobilisation, des mobilisations pour faire d'autres, que je qualifierais, petits projets ailleurs, comme sur le chemin Richard, qui a quelque chose comme 7 ou 8 maisons sur je sais pas, 150 mètres de long, là. Puis bien sûr, le chemin Fortin dont vous avez déjà parlé. Je peux vous répondre là-dessus. Pardon? Je peux vous répondre là-dessus. Ouais, c'est vrai. Que l'entrepreneur est en place, M. Jacques Dufour Construction. Mm-hmm. Ils ont déjà cédulé, tout de suite après nous autres, les travaux, ils vont monter pour Notre-Dame-des-Monts. Moi, je me suis informée à M. Claude Maillot, là, puis c'est la réalité. Oui, OK. Mm-hmm. Bon, alors, je voudrais quand même attirer votre attention sur les deux petits bouts de chemin dont je vous ai parlé. Parce que c'est vraiment pas très long, mais on est l'exception dans Saint-Aimé-des-Lacs, hein, comme je vous ai déjà mentionné, où on n'a pas de pavage. Et on a déjà fait des efforts ailleurs dans la municipalité, entre autres au bout du chemin Tremblay, où la dernière maison n'avait pas de pavage. On s'est empressé à le faire du pavage. Au bout du chemin de la réserve, à l'époque, avant qu'on fasse le projet qu'on voit présentement, il y avait un terrain qui manquait, disons, d'un accès direct. On s'est empressé à faire cet accès-là et on l'a pavé. Puis ça, c'est... écoutez, chemin Tremblay, là, c'est 50 mètres de long à peu près. On l'a fait tout de suite. Au bout du chemin de la réserve, c'est à peu près 70 mètres. Si je regarde le chemin Fortin, c'est autour de 60 mètres par maison. C'est pas un gros effort non plus. Je regarde le chemin Tivierge qui est asphalté, puis il y a peut-être 4 maisons ou quelque chose comme ça. Alors, quand je regarde ça, je me dis que ce serait équitable que le chemin... que le chemin Richard puis que le chemin Fortin soit pavé comme le reste de la municipalité, parce qu'on paye les mêmes taxes que le reste de la municipalité. Et parce qu'on est sur le bord d'un lac, bien, on paye encore plus de taxes à cause de l'évaluation municipale qui nous défavorise. Supposément que les maisons dans ce coin-là valent plus, les propriétés valent plus cher, donc on paye plus de taxes. Alors donc, je réitère... l'idée de faire paver ces deux chemins-là. Vous avez déjà été conseillé. Pardon? C'est que, vous devez le savoir, vous avez déjà été conseillé. Nous, avec M. Tivierge, on fait des visites, parce que là, ce qu'on n'a pas reçu encore, là, c'est le programme PAVL. Oui, c'est ça. Il y a eu une liste de fêtes qu'on a envoyée au bureau de la députée, au ministère des Transports, puis on attend le montant qu'on va recevoir. Mm-hmm. Selon le montant qu'on va recevoir avec les rues que vous avez parlé, là, bien, on aura une décision à prendre ici au Conseil selon le degré de... Je vous rappelle aussi que dans les 3 dernières années, là, quand j'ai regardé les surplus qu'il y avait dans la municipalité, on avait pas loin $1 million en surplus. Je ne sais pas ce que vous faites avec, mais on a la capacité dans la municipalité pour faire ces travaux-là. Alors, on n'a pas nécessairement besoin d'attendre un programme. S'il y a un programme, c'est sûr que moi-même, j'aimerais en profiter. Hein? Je pense que c'est normal que Saint-Aimé-des-Lacs en profite. Mais s'il n'y a pas de programme attribué à ça, bien, on a quand même les moyens. C'est ça que je veux dire. Permettez. Okay? Oui, Mme Lapointe. Peut-être dire que...
le programme TEC qu'on bénéficie actuellement vient avec une obligation. D'habitude, les municipalités engrangent d'avance pendant 5 ans la partie où elles doivent verser, la partie monétaire qu'elles doivent verser. Donc, la municipalité, l'année prochaine, pour remplir l'exigence du ministère pour toucher en totalité la subvention de la TEC pour les travaux actuels, la municipalité devrait investir au minimum de 275 000 $. Alors, déjà là, vos surplus vont être amputés de 275 000. Donc, il reste quelque chose comme 700 000 quand même. Quand... Ah, je ne dis pas le contraire, c'est le conseil qui est souverain dans les décisions. Ah, oui. Tout à fait d'accord avec ça. Bon, oui. Alors, je fais juste vous le rappeler parce que. C'est ça. Vous le rappelle. D'accord. Alors, et quand on arrive. On passe souvent, nous, parce qu'on vient du Piedmont, là, donc on passe souvent ici, sur la rue principale. Là, on a vu les travaux. Et j'ai remarqué dans le coin de l'hippodrome là, qu'il y a deux regards, ou communément appelés des trous d'hommes. Là. Il y en a un qui visiblement est pour les égouts, mais il y en a un autre que j'ai trouvé étrange parce qu'il était isolé de mousse rose. Puis là, il y a un tuyau qui sort à côté, qui arrive au niveau du sol. Alors, je me demandais, à quoi que sert ce regard-là? En fait, c'est un... En fait, il y a 5 établissements commerciaux qui ont été ciblés par le ministère pour avoir des compteurs d'eau. Alors, c'est sur l'emprise de la route. Il y a des équipements nécessaires pour mettre un compteur obligatoire selon le ministère. Et qui va payer pour le compteur d'eau? Tout ce qu'il y a au niveau de qui paye quoi se fait dans l'intérieur d'un règlement qui n'a pas encore été voté. C'est en prévision de l'année prochaine où il y aura, comme on le fait pour d'autres municipalités. Il y a des municipalités qui ont opté pour différents scénarios. Ils paient l'installation des compteurs d'eau au niveau résidentiel et ils font payer au niveau commercial des compteurs d'eau. En fait, les options sont ouvertes. Le conseil, en temps et lieu, se penchera sur les scénarios qu'ils vont prioriser. Alors, Mme la mairesse, vous remarquerez ma surprise de voir que c'est la municipalité qui prend en charge de ce compteur d'eau-là. Comme les autres. Quand le client lui-même avait dit à l'époque qu'il ferait, lui, poser ce compteur d'eau sur son terrain. En alors, fait, parce qu'on avait eu des réunions ici et monsieur, je n'en mirai pas le nom, là, mais le responsable avait mentionné qu'eux autres s'arrangeraient pour installer leur compteur d'eau eux-mêmes. Alors, parce que donc, ma grande surprise de voir que c'est la municipalité. Oui, je vais vous expliquer, c'est sur l'emprise de la municipalité qui est installée. Ça fait que là, le conseil aura à se pencher là-dessus. Puis le conseil va être souverain de ça. Tout ça, on le sait, madame. Mais je ne vois pas pourquoi il est installé sur l'emprise de la municipalité. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas installé sur le terrain de l'hippodrome? Nous autres, on a eu des ingénieurs qui ont travaillé sur le dossier. Non, ça n'a rien à voir avec l'ingénieur, ça, madame. Si l'ingénieur l'a mis, c'est parce que vous y avez demandé. Parce que lui, il ne va pas aller mettre un compteur d'eau là. C'est parce que vous lui avez demandé de mettre un compteur d'eau. En fait, donc la démarche qui est actuellement sur les compteurs d'eau est objective pour tous les établissements commerciaux. Non, mais madame, parce que je parle à la mairesse, excusez-moi. Là. C'est bon. Je parle à la mairesse. Alors, c'est parce que le client avait dit lui-même, ici en public, qu'il ferait son installation lui-même, et on n'était pas obligé de le mettre sur l'emprise de la municipalité. Parce qu'une fois qu'il est sur l'emprise de la municipalité, je vois mal comment qu'on va aller dire au client que c'est lui qui va le payer. En tout cas, alors ça, c'était bien sûr votre décision. Parlant de compte d'eau, oui, tout à l'heure, j'ai entendu dire justement qu'il y a des gens qui étaient réfractaires à mettre un compte d'eau chez eux, mais là, je pense que c'est un manque de communication. On devrait intensifier les communications pour avertir les gens. Puis à ce moment-là, où c'est la même chose pour... les trousses d'économie d'eau, si les gens ne reçoivent pas de communication. Bien, ils vont recevoir dans la mesure où la date est fixée, on n'avait pas les éprouvettes. C'est pour ça qu'on les a reçues aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, les arrangements, moi, l'OBV, on a discuté ensemble lors de la dernière séance. Et j'ai fait
certaines remarques pour l'aspect des différentes, comment va se dérouler cette cueillette-là. Et non, j'ai fait mes observations au niveau du transport. Je ne parle pas des analyses d'eau. Okay. Je parle des trousses d'économie d'eau qu'on a depuis maintenant quelques années dans votre bureau. C'est juste ça. Alors, comme on veut diminuer notre consommation, pour pouvoir se justifier auprès du ministère qu'on n'a pas besoin d'autres compteurs, bien, c'est la façon de le faire, en mettant des appareils économiseurs d'eau chez les clients. Mais il y en a déjà une soixantaine qui étaient venus en chercher. Il doit en rester 140, là, à peu près. On avait commandé 200 à l'époque. En fait, on avait dit que les journées où on ferait la cueillette des puits, des tests d'eau, on allait jumeler, en fait, cette publicité-là pour que les gens viennent chercher les économiseurs d'eau. Alors, on va publiciser celui-là avec l'activité, avec les dates en question. Oui, mais ça ne s'adresse pas aux mêmes clients, là. Ben, pourquoi à l'époque, je vous ai envoyé d'ailleurs une copie par courriel là, de ce qui avait été fait à l'époque comme publicité, qui est envoyée aux gens qui étaient hors réseau, tandis que pour les trousses d'économie d'eau, c'est les gens qui sont sur le réseau. Oui, mais quand même, tant qu'à faire une publicité là-dessus, on va faire les deux. Oui, d'accord. Donc, ça va être intéressant de recevoir parfait. Ça. Maintenant, on a parlé de la, vous venez de parler de l'analyse d'eau des puits privés. Comme les gens qui sont hors réseau paient 20 % des coûts de mobilisation du réseau, pourquoi à ce moment-là, est-ce que la municipalité ne paierait pas pour une analyse d'eau par année, qui est une quarantaine de dollars? Bien, la municipalité, là, présentement, c'est plus cher que ça, 40 dollars pour faire l'analyse d'eau. Avec l'OBV, on contribue justement à faire baisser la tarification. C'est ça, si en particulier le frais, ça serait plus cher. Non, attendez une minute, là, parce qu'à l'époque, quand c'était autour de 30 ou 35 $ là, la municipalité ne payait rien en plus de ça. C'était juste parce que c'était un achat de groupe qui faisait qu'on avait un prix réduit. Mais présentement, là, c'est plus cher que 40 $ La municipalité contribue pour que ça soit 40 $ Donc, elle contribue combien? On paye les frais de transport. Oui, et on paye les frais de transport. En fait, le particulier, s'il va lui-même faire le test individuellement, je pense que ça viendrait de le double. Oui. 150 Alors, c'est 150. Attendez une minute, là. Je vous arrête là-dessus, là, parce qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Moi, je vous comprends. Le prix mettons que moi, je paierais pour une analyse d'eau qui est 40 ou 45 ça, c'est le prix qu'on paye au laboratoire. La municipalité ne paie que le transport. C'est ça que moi, j'ai compris. Parce que ce tarif-là, vous l'avez parce que, justement, on fait l'entente avec l'OBV. On devient un point de chute. Eux sauvent du temps, puis… Combien paie-t-on comme municipalité? Moi, là, ce que j'ai compris à l'époque, c'est qu'on ne payait que le transport. On ne payait pas la différence entre 100 $ et 45. Moi, si je vais porter un échantillon au laboratoire, ça va me coûter 110-115 $ Si je vais le porter moi-même, je l'ai déjà fait. Le fait qu'on paie 45, c'est parce que c'est un achat de groupe, parce qu'on dit vous allez en avoir 200 échantillons analysés. Oui. C'est pour ça. Donc, la municipalité ne paie pas de différence. La municipalité ne paie que le transport, c'est-à-dire appeler le courrier, venir chercher, je ne sais pas moi, 50 bouteilles. En fait, l'accommodement que la municipalité fait, là, c'est qu'il y a une gestion à l'interne de l'ensemble du service. Oui. Vous parlez de communication, c'est du temps homme, hein, c'est du temps de personnel qui va être payé pour le faire. C'est la coordination avec l'OBV, c'est le temps pour le personnel de répondre aux citoyens, de répondre aux questions, de coordonner la cueillette de ces données-là. Ouais. Alors, faites le d'accord, calcul madame, vite, mais là. Écoutez, c'est je l'ai vécu à l'époque, là. Il n'y avait pas grand effort qui était mis dans le bureau pour récupérer les bouteilles. Les gens sont là, la secrétaire ou vous êtes là, vous recevez ça, puis vous le mettez dans la boîte, là. Puis vous signez peut-être un reçu, là, c'est pas une grosse gestion. Mais ce que j'apporte, c'est, décompte, étant donné que les gens qui sont hors réseau paient 20 % du coût du réseau, ça serait comme on fera le décompte un petit merci
pour qu'il n'ait pas à payer le 40 $. C'est okay. juste ça. C'est beau. Est-ce que vous avez beaucoup d'autres questions? Parce J'en ai d'autres, madame. Peut-être une autre après. Il y a toujours le site Internet. La dernière fois que je suis allé, c'était en fin de semaine dernière. Oui. Je ne suis pas capable de voir les réunions du conseil. On voit très bien dans les réunions du conseil. On va voir le procès-verbal, ça c'est correct. Après ça, c'est marqué qu'il y a la réunion du conseil, là, mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien disponible. La Est-ce dernière, que... ça date de plusieurs mois, lors de oui. quand vous faisiez vos réunions sur ordinateur. Puis là, on les voyait très bien, c'était facile. Mais là, si on veut écouter la réunion, on est obligé de se brancher sur... pour ceux qui sont branchés sur la coop, oui. bien, tu es obligé d'aller, mettons, au 116. Mais là, tu ne sais jamais quand est-ce qu'on va voir la réunion. Là, des fois, on va voir des activités sociales. À un moment donné, on voit Notre-Dame-des-Mondes, d'un coup, Saint-Aimé-des-Lacs arrive. Mais si on n'est pas là au moment mm-hmm. où ça débute, ben, on le manque. Il faut revenir, en fait, je ne sais pas, une heure ou deux après. Le format, pour répondre à votre question, c'est des aspects techniques. On a eu le format qu'il me fallait pour les séances. Il faut les mettre sur un site YouTube, mais le service, quand je l'ai rentré, a rentré sur mon nom. Et voilà. Alors, je dois parler à Cassie pour Cassie. Me formater mon YouTube, et toutes les séances vont être disponibles oui. à partir voilà. de cet hébergeur-là. Parfait. Alors, c'est intéressant. C'est un aspect simplement technique. Puis, à faire à travers le RIS et les éprouvettes d'eau. Et voilà. Parfait. Et une dernière question, oui. c'est, j'ai entendu, je crois, M. Harvey, je m'en vous avez parlé si. De la toiture de... Oui, du grand municipal. Mm-hmm. Du grand municipal, oui. Bien, ça m'a amené une question, quand est-ce qu'on déménage dans l'édifice de Desjardins? C'est dans le plan, c'est hein? dans le plan, ouais. mais comme on dit, il faut prioriser. Bon, oui, mais en tout cas, c'est... comme je disais, la toiture du garage, mm-hmm. là, on rentre dans le Mm-hmm. Ça fait qu'il faut prioriser, puis... Ça va suivre son cours. C'est dans le programme. Oui, oui. Faites-nous confiance. Madame, je vous remercie pour Merci beaucoup, pour Monsieur Merci Boucher. Beaucoup, bonjour. Merci. Madame, est-ce que vous aviez des questions, madame? 20h30. Non, OK. OK. Bon, on va mettre fin à la réunion. Je remercie tout le monde de cette belle réunion. C'était intéressant. Puis, bonne fin de soirée. Un proposeur pour la levée de la réunion. Propose M. Dufour. Merci.